Revoilà, rebonjour, salut à toi, il y a plein de nids de poules, mais on n'en croise jamais. Exactement. Bonjour tout le monde, alors rebonjour Twitch, oh, je me suis encore mangé le cactus, rebonjour Twitch, rebonjour, alors pas rebonjour, bonjour YouTube du coup. On commence cette nouvelle vidéo sur 7 Days to Die Alpha 17.2, nous sommes sur le serveur de Lasgari et nous sommes partis à la recherche d'un trésor que nous avons trouvé dans l'épisode précédent. Voilà, donc toujours pareil, hein, vous le savez, serveur de Lasgari, communauté du streamer Asgard. Vous avez le lien vers sa chaîne Twitch dans le descriptif de la vidéo sur YouTube et sous le lecteur vidéo sur Twitch. Et aussi le lien vers le Discord de l'Asgari que je vous invite à visiter, où vous me retrouverez, moi, Asgard et tous les Asgariens. Nous sommes tous extrêmement sympathiques et nous ne sommes qu'amour. Donc, nous avons trouvé le trésor, et ça, c'était bonheur. Et donc, le trésor, en fait, hop là, on avait dedans bah, des mods. D'ailleurs, il faut que je regarde un peu ce que c'est. Voilà, des fortifiants grip. On avait aussi bah, des cartouches de Magnum. On avait dedans de l'old cash, on avait du silver nuggets, on avait du gold nuggets. Ne pas confondre avec le chicken nuggets, ça n'a rien à voir. Ouais, je mange un clown. Donc voilà, donc bah, on va aller reposer, on va aller poser tout ça à la maison, enfin à la base. Là pour l'instant du coup, je chope quelques œufs là parce que j'en ai plus pour faire des œufs bacon à la base. Je chope toujours de l'aloe vera et du yucca parce que moi, je suis pas dans un biome désert, donc j'en ai pas à côté de chez moi, et que c'est quand même des plantes qui sont super utiles. Comme on l'a vu, hein, le jus de yucca, d'ailleurs j'ai soif, le jus de yucca, c'est quand même de la balle. Voilà. Donc du coup, on farm ici pour en récupérer. Bon, alors j'ai faim, j'ai soif. C'est ce qui est normal, parce qu'on a quand même creusé, alors pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo sur YouTube et pour ceux qui n'étaient pas en live avec nous il y a quelques minutes, on a quand même creusé tout ça hein, pour trouver un trésor. Voilà. Donc forcément, bon, on a souffert un petit peu hein, en termes de boissons, en termes de nourriture. Voilà. Bon, il y a pas mal de choses hein, ici, pas mal de bâtis, de choses à looter. Bon, on en a pas mal à côté de chez nous aussi, donc pas forcément. On va pas recommencer forcément à looter à 14h30. Donc là, je farm un peu yucca, aloe vera, et puis on va rentrer tranquillou à la base. Après, est-ce que je me farmerai pas une petite maison avant de rentrer? Bon, j'ai plus vraiment de place dans l'inventaire, on dirait, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors on va faire ça. Hop, je me fais encore quelques yucca, quelques aloe vera, histoire de pas être venu pour rien. Même si on n'est pas venu pour rien, parce qu'on a quand même trouvé un trésor. Un superbe trésor. Oh, regardez-moi cette belle plantation de yucca là. Hop. En plus, je pourrais en planter à côté de chez moi. Et ça fait plaisir. Si je fais pas que de la boisson avec. Voilà, des yucca, et encore du yucca, et toujours du yucca. J'ai quand même une hache en fer qui s'use sur du yucca et de l'aloe vera, quoi. Ok. Flaf. Voilà. Bah voilà, c'est pas mal. Oh, dis donc, c'est quoi ça? C'est tout noir. C'est charbon, non? Ah non. Ouais, ça va me donner du charbon, ça. Ah non, du fer. D'accord. Bon, vous connaissez ma passion hein, pour les minerais de fer. Hein. On l'a commencé, on va le finir. Hop hop hop, allez, boum, boum, boum. Je sais que le son est un peu faible pour le jeu chez vous, donc je vous fais les bruitages en fait. Ça fait ting, 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 ting. Bon allez, hop, c'est fini, c'est fini. C'était donc uniquement du fer. On en a plein à côté de chez nous, pareil, donc on va pas fermer ça ici, ça sert à rien. Oh bah tiens, hop, très bien. Des œufs, give me some eggs, thanks a lot, tac, ça j'en ai pas besoin, tac, ça aussi, give me some eggs, oh, je suis fan de bacon and eggs, tu le sais, je,
Allez, Aloe Vera. Aloe Vera. Voilà, on a fini tous les yucca et tous les Aloe Vera de. Ça, juste par curiosité, ça donne de la fibre végétale et uniquement de la fibre végétale? Non, ça m'a donné aussi de la graine de yucca, j'ai l'impression. Allez, on y va. Est-ce que du coup on. Ah, bonsoir Phoenix, salut! Salut, salut! Ah bah voilà, tiens, hop, Phoenix. Ami Asgardien. Ami Asgardien. Bon, un gros joueur 7 Day aussi, hein, il me semble, hein, parce que j'ai vu quelques images de base, j'ai vu quelques temps de connexion qui n'étaient pas dégueulasses du tout. Donc, 15h53, hop hop. Hop. Est-ce qu'on se farmerait pas, enfin on se louterait pas une petite maison là, c'est 15h58. Ah ouais, ou l'église là, j'ai jamais fait une église là. On a vu une église je crois tout à l'heure. Peut-être on va se looter une église, voir. Ouais voilà. Juste par curiosité. Alors peut-être que je m'embarque dans un truc de ouf, mais enfin en termes de zombies, tout ça. Mais j'ai bien envie de hop. Parce que forcément, bah, voilà. C'est ça. Ils viennent tous de là. Il y a plein de nids de poules où on n'en croise jamais. Eh oui, tout à fait. Hop, 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 hop. Il y a plein de zombies, mais on les croise. On va se mettre comme ça pour avoir notre petit bonus. Ah, attendez, je vais d'abord vider un petit peu mon inventaire ici. Pour pas être trop. Les œufs, non, j'ai encore 2 œufs bacon, c'est bon, ça fera l'affaire. Ça, on met là. Le plomb, l'argent, la graisse animale, le cuir, on choisit au hasard. Hop. Ça, je pourrais le remettre, ouais, mais non, parce que je vais avoir chaud, je vais le garder sur moi juste. Ça, je garde bien sûr, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, on a gagné un petit peu de place. Et maintenant, on va se mettre en mode furtif pour exploiter notre petit talent plus 50% de dégâts quand on est furtif, qui nous permet, si on fait pas trop les manches, de one shot. Et on a fait le manche, on l'a pas one shot. Tant pis. Paf! Allez. Je me rappelle plus quel nom je t'avais donné, toi, dans l'épisode précédent. C'est pas grave. Je suis pas très headshot là aujourd'hui là. Ah mais que je suis couillon. Allez. On va essayer de s'améliorer en mêlée. Ouah ouah ouah, c'était chaud. Parce que je suis nul en mêlée, comme vous le savez. Allez, toi aussi, on va essayer. Ah, faut dire que j'étais accroupi aussi. Je suis pas très mobile, quoi. Allez. Mais je suis nul, c'est pas croyable. J'essaye de tirer un peu au-dessus, mais. Ouais, c'est ça, faut que je tire même plus au-dessus, quoi. Allez, on va tout headshot. Bim! Est-ce qu'elle est morte d'un coup? Elle est morte en un coup, c'est ce qu'on appelle le talent. Alors toi, du coup, je vais te tirer pas mal au-dessus. Oh, touché. Joli. Ah, mais ça, c'est un Didier, ça. C'est un Didier qui s'est rhabillé. Oh, mais dis donc, il est solide, Didier. Didier. Allez. Didier, t'as fait une cure de jouvence? Tu es où Didier? Il y en a d'autres? Non, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Ouais, il est là. Ok, tu es mort. Donc, on va récupérer ces flèches ici. On va récupérer les flèches ici. Et on va récupérer. Hop. Oh, mais je t'avais pas vu, toi. Allez, super. Le bonus furtivité. Est-ce qu'il y en a d'autres avant de commencer à looter les bâtiments? Rends-moi ma flèche. Bon, il y en a forcément d'autres, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait à l'intérieur. Là, ok, on peut descendre, d'accord. Alors, est-ce qu'on en a? Ok, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'air d'y en avoir. Ah, si. On a Kevin qui est là.
Et Kevin, il est plus costaud que ce que je pense. Hein. À chaque fois, je me fais avoir. En plus, ils arrêtent pas de leur balancer la tête, eux. Oh, c'est bon, t'en as pris 3. Hein. Merci, Kevin. C'était un plaisir. J'ai soif. Oui, j'ai soif. 2 secondes, je fais le ménage. Ah, là, il y a Houston. Notre ami au chapeau de cow-boy. Allô, Houston, on a un problème. Ah, puis t'es parti de l'autre côté. Houston, oh mon Dieu, que je suis nul. Viens ici, Houston. Arrête de bouger. Houston, arrête de bouger. Houston, arrête de bouger. Houston, 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 Houston. Allez, c'est fini. On en parle plus. Ok, est-ce qu'on en a d'autres encore? Ça a l'air plutôt calme. Ok. Non, ça a l'air d'aller. Bon, ici. Rechercher dans le cercueil. Viande pourrie, ok. Flèche en fer, why not? Ok. Ensuite, ça c'est, comment dire, la forme. Hop là, je marchais sur quoi là? Ah, cactus. La forme est signifiante, dirons-nous. Alors, attention à ça. Je me sens pas avoir vu de. Putain. Oh, il y a un flic. Ok, allez. On va prendre un petit peu de recul. On va vous laisser venir. Oh, il crache dessus en plus. Ah, bah oui. Il y a un Roger. Ouais, crache sur ton pote, toi. Hop, papa, joli. Tu m'as bien eu. T'es mort. Ah, bah tiens, il y a Bosseron qui est là. Salut Bosseron. Hop là. Bah, il y a Bosseron qui est de passage. Hop là. Viens me voir. Il est pas mort en fait. Oh Roger, ça suffit là. Ah bah salut. Alors. Eh oui, je t'ai vu. Salut. Beau seront. Il reste pas grand chose. Je crois qu'il reste pas grand chose à looter. Salut à toi! Ben bah, voilà, vous voyez l'Asgari. Voilà, on se croise, on se file un coup de main. C'est beau, c'est beau. Oh bah tout ça pour ça! Bah alors. Moi je prends des risques fous. Et voilà ce qui se passe. Donc, on a fait les autres cercueils. Alors il nous reste ici, on a vu qu'il y avait aussi là-bas. Une construction, ici on a une, on va aller juste looter ça, y a rien, ok, et ici, alors est-ce qu'on a du zombie là? Pas pour l'instant. Waouh, génial! J'avais jamais vu, oh c'est classe, j'aime bien. Alors, ami zombie, où es-tu? Tu es forcément quelque part. Je commence à looter, ça va te faire venir. Ok, un magazine. Ok, un pinceau. Alors, j'arrête pas de rater des loots là. On me l'a dit, Bob la dernière fois m'a dit, il y avait un coffre au-dessus de ta tête. Ah, ok, autant pour moi. Voilà. Donc on va essayer d'être un peu vigilant. Un peu vigilant. Ah, oh, mais y a rien. Bah alors. Y a moult cercueil. Qu'est-ce qu'on a ici? Des balles de magnum. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ah, une valise. Ok.
Tiens, j'ai soif encore. J'ai soif encore. Mon dernier jus de yucca. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Un cercueil. Des balles de flingue, super. Ici, on a des ordures fétides avec des sparadraps et des flèches en fer. Ah, voilà, je l'ai vu au dernier moment. Pas de furtivité pour Nadine. Allez, mon ami Nadine. Ah non, pourquoi t'as sauté? Voilà. C'est bon? Nadine, je suis là. Voilà, c'est ça. Ok. On va essayer de se faire l'autre en furtif pour essayer tenter le one shot sur Houston. Oh yes! I've got it. Ok, a priori ça s'est calmé. Reprenons là où nous en étions. Ça, on a fait. Ça, on allait faire quand on a été dérangé. Ça, on fait. Ok. Ici. Oh, bah alors, déception. Ok. Bon, ça, j'imagine que je vois pas pourquoi il y aurait un truc derrière. Ah, mais si! Mais si, regardez-moi ça. Ah, le truc que j'utilise pas, là, les arbalètes. Là, ok, ça c'est la flèche de Houston. Ok, on a les deux flèches de Nadine. Voilà. Ici, on n'a rien. Ici, il y a un cercueil que je n'ai pas looté. Ok, quelle heure est-il? 21 h. Ouh là là, je vais encore rentrer de nuit. Je vais encore abîmer le vélo de Bob. Et vous savez à quel point je n'aime pas ça. Il y a quelque chose ou il n'y a rien là? Super. Wouah! Ok, excuse-moi Nadine, je... Ok, bouge pas. Voilà, on va faire ça... Oui, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends, t'es pas contente, tu dormais tranquille. Moi j'arrive là. Je te casse ton délire. Je comprends, je comprends. Excuse-moi. Ok. Hop, vieilles ordures. Ok, parfait. Matériel de craft. Hop. Ici, cercueil. Je suis pas très prudent quand même. J'avance en mode, oh, il n'y a plus de zombies, tout va bien quoi. En même temps, j'en sais rien du tout. Ici, cercueil. Mais bon, j'essaye d'aller un peu vite parce qu'on va encore rentrer de nuit. Je vais encore abîmer le vélo. Hop. Hop. Est-ce que je loot? Oh mon dieu. Waouh. En plus, il commence à se faire tard, ils vont courir. Ah ouais, il est en mode feral lui. C'est pas raisonnable ce que je fais, il faut que je parte là, parce que c'est 22 h. Ils vont tous commencer à s'énerver. Là, il y a des pics, ok. Alors, on va partir 22 h, 21 h 50. Hein. C'est dommage, on va pas finir le loot de cette pièce là. Hop là. Ouais, salut. On s'appelle. Ouais, on va pas finir le loot de cette église. Dommage, on reviendra finir ça. Peut-être demain d'ailleurs. Ah, parce que là c'est 22 h, je vais rentrer de nuit, je vais encore péter mon vélo. Allez. Gaz. On rentre à la maison. Pendant qu'il nous reste un peu de stamina. Et pendant qu'il fait encore jour. Parce que... À chaque fois le vélo il perd 10%. Voilà, là j'étais pas en train de regarder vous parce que je cherchais ma cigarette électronique. À chaque fois, je perds 10% quand je rentre de nuit. Sur le vélo. Mais on va revenir looter cette église là. Ici. On va le sauvegarder. Donc ça, c'est hop. Loot, église. Hop. Allez, on y va. Tali ta 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 ta. Ah, salut Louviane! Excellent. Louvienne, autre Asgardien de folie. Bah oui, ça va. Hein. Et bonsoir tout le monde. Je rentre chez moi de nuit et du coup je vais abîmer le vélo que m'a donné Bob. Je suis déjà à 32%. Et il ne veut plus se réparer. Hop.
couillon. On m'apprendra à regarder le chat, ça, tiens. J'aurais faire comme Asgard et pas regarder le chat, en fait. C'est ça la vie. Allez. Alors, on n'est pas rentré. Il fait nuit. Plus de stamina. C'est la fête. Bon, c'est pas mal, on a trouvé un trésor, on a commencé un loot d'église qui est pas dégueulasse. On est plutôt bien, on est plutôt bien. À part qu'on a pas de stamina. On a encore 3 jours avant la horde, c'est bien. La forêt de Ludo. Hop. Allez, monte, 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 monte. Oui, tu peux le faire. Oui, bravo. Hop. Alors là, on arrive où? Ah, ben voilà. Le centre social sur la gauche. Le donjon du leader suprême sur la droite. Magnifique que c'est beau. On dirait presque les méchants dans Battlestar Galactica. Il aurait voulu faire une statue en l'honneur de Battlestar Galactica, il serait pas pris autrement. Hop, et nous voilà à la maison. Brûle là, ouais. Non, non, moi je plante des arbres autour histoire de l'embêter, mais je brûle pas. Je m'appelle pas Adibou. Voilà. Tous les fidèles d'Esgar sauront de quoi je parle. Hop, allez. Oh, j'ai laissé la porte ouverte. Incroyable, incroyable d'inconscience. Magnifique. Quel homme. Vivre dans le danger. C'est ma vie. Avec mes 3 portes surblindées, on pourrait aller jusque chez moi. Donc, alors, on a des choses à ranger. Allez, hop. Des balles. On est heureux. Des balles de magnum, on en a moult, mais on n'a pas de magnum. Qu'est-ce qu'on a? Carreau d'arbalète, alors ça, c'est pas beau, mais je sais que je me servirai jamais de l'arbalète, donc je recycle. Ça, c'est bien par contre. Balle de fusil de chasse en 110 là pour la prochaine horde, parfait. Qu'est-ce que j'ai à poser encore? Ça, c'est un mode d'arme. When health is below 5%, gain 1 hit point every 5 secondes. Ok, ça se monte, j'imagine, sur ce truc là par exemple. Modify. Est-ce que je peux te mettre. Eh, mais tout à fait. Mon premier slot, les enfants. Tous les fidèles d'Asgard ont surtout envie de le tuer. Ouais, mais après, on respecte le travail. C'est-à-dire que je vais pas tuer sa base, quoi. Voilà. Après, si un jour on se rencontre physiquement, peut-être. Mais la base, quand même, ça se respecte, quoi. C'est ça le truc. Bon, premier mode, je suis content. Je le mets sur la hache. Non, on s'en fout. On le garde. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a arrangé ici? Pas plus, ça se recycle. Hop, ça se range pas là. Tac, 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 tac. Ça, je vais le remettre. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a du médic à ranger ici? Non, pas du tout. Ok. Hop, on n'a rien rangé ici. Hop. On remet ça. Hop. Tac. C'est tout à ton honneur, ouais. J'essaye d'être un homme d'honneur qui mérite l'asgari. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pu avoir des heures sombres. Non, j'ai jamais eu d'heures sombres en fait, mais c'est bien de se la raconter un petit peu. Ouais, j'étais un badass. Dans une autre vie, j'étais un badass. Hop, allez, on range. Bon, c'est trop petit ça. On va refaire un coffre ou une boîte, mais ça me plaît pas là. Ça me plaît pas. Tout est collé, là, tout est serré. Tac, 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 les sous machin, nanana. Ça, c'est pas ici. Si c'est ici, je le mets. Tac. Qu'est-ce qu'on a? La lampe de poche. On met ici. Bonne nuit à vous, bon stream à demain. Bonne nuit Phoenix. Merci d'être passé, c'est super cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu as rendu mon téléphone qui affiche le chat utile. Et ça, la France t'en remercie. Les vitres, c'est par là. La graisse animale, c'est censé être là. La poudre de bicarbonate, c'est ici aussi. Ah, j'ai un petit zombie qui se balade, j'entends.
Éclat de fer, tiens, on va pouvoir faire du fer forgé. Les tuyaux, c'est là. Le tissu, c'est ici. Les os, c'est là. Aloe vera, tout ça, ça va avec la bouffe. Ah oui, c'est vrai que maintenant j'ai de l'argent et j'ai de l'or. Je pourrais aller vendre ça chez le marchand. Ça aussi, j'irai le vendre chez le marchand. Et ensuite, ça va se ranger. Et ça, c'était aux armes. À moins que je me fasse des flèches en fer rapidos là. Hop, ça m'en fera un petit peu plus. Composition, flèche en fer, donne tout ce que t'as. Fabriqué. Parfait. Je pourrais peut-être jouer un petit peu plus flèche en fer. Très bien. Non, il y avait aussi le cuir. Maintenant que je te suis sur Twitch, ce sera plus facile de ne pas louper les streams. Ah, bravo, merci. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah les streams après, ouais, c'est vrai que je fais un peu quand je peux en fait. Ça m'arrive de plus en plus, style entre 13 et 14 quoi. Voilà, je mange rapidos et après je me fais un petit stream d'1 heure. Ce qui fait en plus une petite vidéo d'1 heure pour YouTube, ce qui est pas mal comme format. Et sinon, bah ouais, c'est plutôt vers les 22 h quand je peux en semaine. Pour le plaisir de l'art. Flèche en fer. Flèche en fer. Et c'est tout ce que j'avais à poser ici. C'est tout ce que j'avais à poser ici. Après, on va se faire quelques jus de yucca. Hop. Au max. À toc. J'adore le jus de yucca. C'est de la balle. On va se faire de la pommade d'aloe vera. Alors, à toc, là, pas trop. Parce qu'on n'a pas trop l'occasion. Et. Hop, est-ce qu'on pourrait s'en faire une de plus avec ces 5-là? Composition, pommade. On peut en faire une de plus, ouais. Cool. Cool. Allez, ça c'est bon, on range. On va pouvoir se faire aussi des œufs au bacon. Parce qu'on aime les œufs au bacon. On range conserve de thon, j'ai ça déjà, je crois. Ouais, nickel. Bocal vide, nickel. Ou en bouteille, nickel. Oh. J'entends un zombie dans mon oreille droite. Je vais peut-être. Non, là je pourrais pas. Je vais peut-être lancer des œufs bacon et aller m'occuper de notre cher ami zombie. Enfin, des œufs au bacon, je vais pas pouvoir en faire 50, je pense. Voilà, je peux en faire deux. Tac. Je vais peut-être pas sortir voir le zombie avec de la viande crue sur moi. Tac. Alors où es-tu, ami zombie? Il faut que je mette mon casque spécial nuit. Il n'est pas là, offert par Bob. Comme beaucoup de choses. Ah, il est là, je le vois. Le zombie. Tiens, hop, mets ça. Voilà, et on va aller voir ce zombie-là. Mais c'est une witch! Oh, mais c'est une witch! Tiens! T'en veux encore? Raté. Tiens! T'en veux encore? Oh, mince, je l'ai raté. Faut pas qu'elle crie. Ne crie pas! Sois cool. Sois cool. Sois cool. Elle a crié? Non, elle a pas crié. Yes! J'ai déverrouillé un succès Steam. Pouah, mais alors, mais quel talent! Mais quel talent, messieurs-dames! C'est incroyable. Autant de talent dans un si petit corps. Oh, il y en a une autre là-bas. Eh, mais c'est quoi cette collection de witch là? Vite, 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 vite. Elle est où? Elle est par là. Ah, bah elle est morte sur les pics d'Adibou. Ouais, très bien. Très bien. Merci Adibou. Une pensée pour toi. Donc, ok. On s'est débarrassé de ça. On en était où? On en était avec notre jus de yucca. On en garde deux. Hop. Tac. Hop. Le reste, on le range. Ensuite, on a toujours deux os bacon, ça c'est parfait. On va garder le casque de mineur pendant la nuit. Est-ce que j'ai besoin de me soigner? Non. Donc la pommade d'aloe vera, on va la mettre ici. Est-ce que du coup j'en ai assez pour faire un bandage
Oups là, est-ce que j'en ai assez pour faire un bandage médical? Oui. Ah non, le bandage médical, c'est pas ça le problème, c'est que j'ai pas les skills encore. Alors justement, en parlant de skills, on a eu un point. Nous avons eu un point. Quel talent! On est donc niveau 17. Il nous manque encore 3 niveaux pour débloquer ce qui nous intéresse, à savoir. Ah non. Si. Non. Si. Si. Voilà. Il nous manque encore 3 niveaux. Grease Monkey, you can craft bicycle. Peut-être que je pourrais acheter ça là parce que comme je suis en train de tuer le vélo que m'a prêté Bob. Physician, you can craft 8 kits stéroïdes, voilà, d'accord. Crafting 35% faster, d'accord. Agility, j'ai qu'un point sur 10, c'est pas génial. Cardio, increase stamina regen by 10. Iron Strike, ça je l'ai pris, c'était top. C'est vraiment top. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ouais, le Healing Factor, j'en ai pris un peu. Slow Métabolisme, j'en ai pris un peu aussi. La Fortitude. J'en ai pas vraiment, vraiment, vraiment besoin. Enfin, on a toujours besoin, mais. Le pack mule, ça fait toujours plaisir hein, de pouvoir transporter plus de trucs. Ça, j'ai pris. Donc, ça peut être pas mal hein, parce que je vais avoir besoin de farmer du fer. Ça aussi. Oh, je me tâte. Ah, je me tâte, c'est incroyable. Pack mule ou. Bon, on est en phase de loot, donc on va faire pack mule. Allez, on a fait pack mule. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. Spéciale dédicace à tous les plus de 30 ans. On est pas mal ici, on n'a rien de plus. On a à boire, on a à manger. On va remettre notre bonnet. Clac. Et puis. En fait, non, pourquoi j'ai mis ce bonnet là? C'est moins bien que le casque de mineur là. Attends, casque de mineur, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, résistance au froid. Mais à part ça. Attends. Ça, par rapport à ça, voilà. Ok. Donc, il est moins en durabilité. Il a un armor rating un petit peu plus. Il a 8, quoi. Mais. Il diminue la stamina, etc. Ouais, allez hop, on garde le bonnet pour. C'est pas là que ça se range. On garde le bonnet pour aller looter l'église, finir de looter cette église qui nous a résisté. Donc, on a tout ce qu'il faut. J'ai de quoi réparer mon arc parce qu'il commence à faiblir un petit peu. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Allez, let's go. On va aller finir de looter cette église. Parce que ça m'a vexé de devoir fuir. On en est à combien de temps là? 33 minutes, très bien. Je surveille ça pour YouTube, bien entendu, pour pas faire trop long. Allez, go. Bonjour les pics. On ferme bien la porte cette fois-ci. Ok, je vais juste vérifier quand même quand était la dernière horde. La prochaine horde, elle est à partir de 245. On est en 240, donc on n'a pas à s'en inquiéter pour l'instant. On est à mi-chemin. Hop! Allez, on retourne à l'église. Ah, j'ai pris à manger, mais comme j'ai la stamina qui est basse, ça aurait peut-être été pas mal de manger un truc avant de partir quand même. On va faire ça. Parce que sinon je vais commencer à pédaler. Eh ben ça. La spécialité. Est-ce que. Non, ça c'est une pompe. Est-ce que je peux réparer avec ça? Non, je le pète encore plus, c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai rien pour réparer sur moi là. Allez go, 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 go. On va chercher à manger. La pique on la réparera pour la prochaine horde. Donc ça augmente la max stamina, mais ça en remet pas. Ouais, non, mais en fait, c'est la faim qui augmente la stamina, ça n'a rien à voir. Allez, on va remanger un petit peu de ça là. Utiliser. Allez, tu vas me mener ma stamina à combien? J'ai que 42 de vie. Ah, bah oui, bien sûr, couillon, tu viens de te prendre une pique.
Stamina 62. Allez, ouais, ça va aller, on va y aller comme ça. 66, 67. 67. Ouais, on se prend une petite patate pour la route, quoi. Allez, go. Allez, c'est parti. On est parti. Hop. 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 On ferme cette porte. Mais c'est pas possible, mais qui les débiles? Aïe aïe aïe. En même temps, ça m'était jamais arrivé en live encore, alors que j'ai dû mourir une dizaine de fois comme ça sur mes pics. Première en live, donc ça va. Ça va, ça va. Le même jour, sur la même série de live où on trouve un trésor et on monte notre premier mob, je trouve que c'est pas mal, c'est cohérent. Ok, allez. Bon, en même temps, on a la vie à 100, la stamina à 70, c'est parfait, changez rien. Hop, on est en meilleur état qu'avant de mourir, ma foi. À part le petit, petite baisse sur les stats, du fait de la mort, il y a moyen. Hop, voilà. Ça, on s'en fout. Tac, 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 tout ça, c'est bon. Là, j'ai rien parce que le vélo est dehors. Ok. Allez. Le vélo, là-bas. Allez, on va à la messe. Voilà. Ah non, mais ça me fait vraiment penser à Battlestar Galactica, là, son truc. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Pourtant, c'est un donjon en pierre, mais... Allez, hop, on accélère un petit peu. On a pas que ça à faire. On a une église à looter. Enfin, à finir de looter. Et du coup, comme c'est tôt, bah, si on met pas trop de temps à looter cette église-là, on pourra aller looter autre chose avant que la nuit tombe. On va le faire remonter à stamina. Attention, je vais vapoter. Je vous ai averti, ça compte pas. On va dévaliser une église. Attends, on va être... C'est terrible. On va devoir... Un jour, on va nous juger pour ça. Tadidadadada. Allez. Tadidadada. Ah, Ferdoc, salut. Hop. Salut, salut. Tac, tac. Hop là. Allez, go to the church. Hop là, 32% le vélo. Mon vélo. Ah, pas mon vélo. Je m'améliore un peu en imitation de Bourvil. Ta-da-da-da-da-da. J'ai déjà plus de stamina, je suis même pas encore arrivé à l'église quoi. Je suis trop pressé en fait d'aller sur les loots et tout, donc à chaque fois je crame ma stamina sur le trajet quoi. J'arrive, j'ai faim, j'ai soif. Bon là j'ai chaud, ce qui est un peu normal. Allez, c'est par là. On remet un petit coup de stamina quand même. Ah, je la vois. Oh merde. Oh! En plus, je peux pas la réparer ce vélo, je sais même pas pourquoi. Je l'ai réparé une fois et depuis ça veut plus. Attention! Allez, nous y voilà. Donc, on va se faire un petit peu de place dans l'inventaire. Si jamais dans le sous-sol il y a beaucoup de loot, on garde quand même la nourriture. Oh, j'ai plus que 32 flèches! Mince! Ah, je suis parti en short, j'aurais dû refaire des flèches. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bah non, en fait, on garde tout. Hein. On va juste à la limite mettre ça là. Voilà, si jamais on a soif, ça fait une place de plus. Ok, let's go. Attends-moi là, vélo. Je m'en vais m'occuper de ces méchants zombies. Alors, en sachant que ils étaient quand même assez nombreux, il y avait un feral. Donc
On fait pas les malins. Et on y va. On y va comme ça. On y va en mode furtif parce que ça fait le petit bonus de dégâts. De 2,5 quand même. Mais bon, ils ont dû retourner dans leur salle. Comment ça, intact? Non, je les ai vidés les trucs. Ah, mais ça. Ah, il me dit que c'est. Ça a repopé déjà. Non, j'ai pas fait le. J'avais pas fait celui-là, ça m'étonne. Ça, je l'ai pas fait, je sais. Elle est vide. Alors, les trucs que j'ai fait sont pas vides et les trucs que j'ai pas fait sont vides. Ça, je l'ai fait par exemple, voilà. Donc, ok, on est d'accord. J'avais juste oublié un des cercueils de l'entrée. Quoi? Ça j'ai fait, hein, on est d'accord. Donc, allons voir nos amis du sous-sol, devant lesquels on a été obligé de fuir. Oh, ils sont déjà là. Hey, salut. Ouais, super. Allez, venez. On va s'amuser tous ensemble. J'ai que 30 flèches, alors me faites pas. Mais ils sont bêtes. Ah, mais ça c'est le feral. Ah, mais ils sont tous là en fait déjà. Ils veulent m'empêcher de sortir. À chaque fois que je les tire, ils sortent en fait. Je sais pas pourquoi ils veulent à tout prix sortir. Oh, il y a un vomito. Salut. Eh, mais c'est un peu vexant là que vous me tourniez le dos comme ça quand même. Enfin. Je sais pas quoi. Enfin, moi je trouve ça vexant. Ah, Kevin arrive. Ok. Wow. Calmons-nous. Hop là. Toi, tu vas te calmer tout de suite. Toi, tu vas te recharger. Big Mama. C'est bon. Super. Comment ça, j'ai une flèche à récupérer? Oh là, il y en a encore un autre. Oh, ça c'est déjà plus costaud, ça. Eh, hey, mais c'est vexant que vous vous barriez à chaque fois que je vous tire dessus, quand même. Oh. Clic, le truc là. L'angoisse, quoi. Clic. Oh. C'est bon, t'as fini? Faire le malin? Tu fais moins le malin, hein. Ok, super. Allez. On va faire ça aux pompes, de toute façon. J'aime bien. Il y a un beau sentiment de puissance avec le pompe. Donc, vous êtes plus là. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Ça, c'est un coup à ce que Bob me dise demain sur Discord. Il y avait un carton au-dessus de ta tête. Oui, ça va, hein. Donc. Oh, un coffre de bureau. Des balles. Parfait. Un coffre d'armurerie. Des balles. Parfait. Et pas mal ce coin de loot là, on va se le mettre de côté là. J'aime bien ce que je trouve là. J'aime bien ce que je trouve. Oh oui, encore des balles, un AK. Bon, un AK, oh ça par contre, on va l'enlever juste pour que il y ait du loot qui ressorte. Mais... Ok, bon, on a tout fait. On a tout fait. Tiens, on va prendre ça, on va la recycler. Hop. Il faudra toujours un petit peu de. Non, la chair pourrie, c'est moi qui l'ai laissée là. Alors, chair pourrie, hop. Toi, je te recycle. Parce que voilà. Toi, j'en ai déjà un niveau 1. Je te recycle. Toi, j'en ai déjà un niveau 3. Je te recycle. Ça fait toujours de. Toi, je sais que je t'en servirai jamais. Je te recycle. Toi, hop. De la bière, cool. Ah bah tiens, de la bière, ça peut régler mes problèmes de. De vous offre de l'endurance, une dose de bravoure, une autre opinion de vous-même. Exactement, c'est la bière.
Donc ça, pour mes petits problèmes des fois de stamina, c'est cool. Ben voilà, on a looté des trucs un peu sympas. En tout cas, on a fini de looter cette église. Et Bosseron est parti, Zano est parti. D'accord. Ah, Zéphyr. J'ai dit bonjour à Zéphyr. Salut Bosseron. Bonjour. Salut, salut, salut. Non. Salut. Voilà. La politesse, hein. Politesse dans l'Asgari, toujours. Toi, je t'ai pas looté. Si. Toi, je t'ai pas looté. Hop. Ah, bah, une attelle, tiens. Ça peut toujours servir. Donc, ici, on a tout fait. Je pense pas ça. Alors, est-ce que, par hasard, on pourrait pas, en pétant ce truc, tomber sur quelque chose d'autre? Une sorte de sous-sol dans le sous-sol. Parce qu'elle est quand même bizarre, cette pierre. Ah, j'ai plus de stamina. Ah, bah tiens, on va tester la bière. Pas bon, rideau. Allez. À la tienne. Voilà, forcément, je suis un peu. Et est-ce que du coup, ça me montre quoi que ce soit? Non. Bon, ok. Je vois flou, mais. Bam! Je tape pas plus fort. Je sais pas du tout si ce que je fais sert à quelque chose. Mais cette dalle en métal m'interpelle. Surtout que c'est une dalle qui a une tronche de dalle en métal. Mais en fait, quand je tape dessus, bah, je gagne de la pierre. Donc, j'ai envie. Ah oui, c'est peut-être juste. Ah oui, c'est juste que les pavés ont sauté à cet endroit-là en fait. Je m'embête pour rien quoi. Je viens de voir là que c'est ce que ça donne quand les pavés sautent en fait. Ouais, j'ai commencé mon délire, je le finis et puis on verra bien ce qu'il y a dessous. Mais effectivement, non, il y aura rien. Voilà. Ça nous fait des petits cailloux. Et les petits cailloux, c'est bien. Les petits cailloux, ça fait des flèches. Les petits cailloux, ça fait du sable. Les petits cailloux, ça fait plein de choses. Par contre, on n'a pas looté nos galets pour doubler nos murs du rez-de-chaussée là. Enfin, farmer. À force de vouloir looter, looter pour faire de l'XP, pour débloquer l'acier là, on en oublie la base. Allez. Je fais quelque chose qui sert strictement à rien. Hop. 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 Alors, et puis calme-toi. Est-ce que ça servait à quelque chose? Non, c'est quoi ça? C'est de la terre classique ça, non? Ouais, c'est ça, c'est de la terre. Ah, mais c'est du sable quoi, oui, parce qu'on est dans le désert. Ok, donc non, ça servait à rien. Très bien. Bah donc on a fait ce qu'on avait à faire en fait. Hein. On a tout vidé, on reviendra dans 20 jours, ça sera tout plein et on sera content. Ouais, a priori j'étais looté toi. Ouais, j'ai looté tout. Hein. Ok. Ok, très bien. Ça, je me suis toujours demandé si je pouvais le péter. Ah, là, il y avait un truc. Oui, non. Des pics, super. Voilà. Ah, et là, j'ai. Ouais. Non, parce que ne ratons rien. Hein, parce qu'on a été ridicule la dernière fois en ratant un coffre. Voilà. En même temps, quand je regarde les streams de certains joueurs, je dis, mais là, il y a un truc. Pourquoi tu vas pas le voir? Et puis après, tu te rends compte que, ben ouais. In-game, tu rates les trucs. Celui-là, on l'a fait. Hop. Ici, une plante. Oh, je la prends, je la mettrai chez moi. Génial. Je vais avoir une plante à la maison. Oh, j'ai bien. Je suis content. Je suis content. Allez, go. Bon, il pleut. Donc, on a fait tout le sous-sol, je pense, parce que ça couvre tout le sous-sol. Ici, on a déjà looté. Voilà. Ici, on a looté. Cette pièce-là, on l'a lootée aussi. Attention au cactus. Ouais, ça on l'a looté aussi. Est-ce qu'il n'y avait rien en haut? Non, il n'y avait rien en haut. Bon, ben voilà, on a vidé cette église. C'est bien. On va mettre ça dans le vélo. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va mettre ça dans le vélo. Enfin, ça. Quelques trucs. Hop, mechanical part. La telle, du coup, je vais peut-être la garder. On sait jamais ce qui peut arriver. Ma petite plante qui va finir chez moi, là, super. Je la vois déjà entre les bougies, ça va être magnifique. Ok, il me reste deux trucs de yucca à boire, donc ça va. Il me reste deux œufs bacon, on est pas mal.
Tiens, je pourrais garder ça aussi au cas où. Du sable de concassage, parfait. La telle, on la garde. Et du coup, on va aller looter ce truc-là. On est là. Et, enfin, je pense qu'il ne demande de qu'à ce qu'on le loot. Donc, réveillez-vous, les enfants. Il y a quelqu'un qui arrive. Personne là-dedans? Allez, on va se mettre comme ça nous permettra de... Il n'y a personne là-dedans? Ouais, ça va me tomber de... Ah, c'est ça qu'on cherche, des galets. Oh, du ciment! Oh, mais il y a moult trucs! Bon alors, attendez-vous à ce que ça nous tombe dessus par le haut, hein. C'est classique dans les garages. Tiens, on va se faire deux flèches, tiens. Tiens, fais-moi deux flèches. C'est toujours ça de pris. Non, ça c'est du carton tout bête, ça aussi. Mais ça c'est du bon carton, ça c'est du ciment. Il va nous tomber un truc sur la tronche. J'en suis persuadé. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, des bocaux, super. Ça là. Il y a un truc là-dedans. Je suis sûr qu'il y a un truc là-dedans. Ah oui, ramasser un baril de pétrole. J'ai vu qu'on pouvait ramasser les barils de pétrole. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais on peut le ramasser. Là, il n'y a rien à looter. Alors, le workbench. Génial, une roue. Tellement cool. Caisse de provisions. Eh ben, allons-y. Je suis humide. Je t'en prie. On n'est pas assez intime encore. Une trigger plate 1-1. Des mechanical parts et une pioche en fer. Magnifique. T'as le loot qu'on fait complètement par hasard en mode bah tiens, on va aller looter ce truc là. Et en fait, c'est super cool. Donc, on va récupérer du ciment. Voilà. On va récupérer encore du ciment. J'ai soif, oui. On va boire un coup. On va aller récupérer les galets qui sont là-haut, mais j'ai comme l'impression qu'il va nous tomber un truc sur la tête, hein. Ça j'y crois toujours. Bon, on va monter quand même, hein, parce que... Quoi? Ah, je suis chargé. Non, bah non. Oh, putain, ça m'a fait peur cet éclair là. Quand je commence à sursauter des trucs comme ça, c'est que ça fait un moment que je joue, quoi. On va faire ça là. On va faire ça, on va en faire 5 pour pouvoir grimper un peu à droite à gauche. Voilà, on va se mettre ça à la place de Yuka. Et ça va nous aider un petit peu pour monter là parce que on galère. Voilà. Mais pourquoi j'arrive pas à sauter? Je suis. J'aime pas l'orage. Bon alors, pourquoi j'arrive pas à sauter alors que. Ah, mais c'est à cause de. C'est parce que je suis accroupi tout simplement en fait. Qui est couillon. Ah, mais mon dieu. Donc, ah, oh, bon, on peut looter d'ici, je pense. Bon, on va quand même se mettre une caisse là. Hop. Voilà. Bon, mais il n'y avait pas de zombies. On va aller voir sur le toit aussi. Et là, on va looter du galet. Et là, on est content de looter du galet. Ouais, il en faudrait bien plus que ça, mais bon. Ah oui, d'accord. Là, est-ce que tu peux la mettre, est-ce que tu peux la mettre là? Mais non, tu peux pas la mettre là, c'est ça le problème. Tiens, mets-la là. Ah, je peux pas monter dessus, là, ça sert à rien. Ah si, je peux monter dessus. Non, je peux monter dessus. Oui, récupère là. Ah ben, je peux la mettre là. Hop. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le toit? Non. Ouais, il y a un trou, mais... Bon, 14h50, est-ce qu'on se fait cette maison là? On va pas la finir, on va être obligé de revenir. Ça, je le sens arriver. Je le sens arriver. Gros comme une maison. On va y passer du temps, c'est pas sûr que ce soit super intéressant. On va commencer à rentrer en direction de la base.
On pourrait aller voir le marchand, by the way. On pourrait aller voir le marchand qui est à... Il est qu'à 500 mètres, le marchand, tu te moques de moi. Ah, mais oui. Hein? Ah, mais oui. Ah, mais on est là, en fait. Ah, mais génial. Eh ben, on va aller voir le marchand. On va aller voir le marchand. Allez, on va faire ça. Comme ça. Donc, le marchand, il est là. On va aller voir le marchand. En même temps, je... Sinon, ben non, parce que... Il faudrait que je prenne les pépites d'or et... il y a un sous-sol là. Il faudrait que je prenne les pépites d'or avant d'aller voir le marchand. On va se looter ça, parce qu'on est des fous. Et comme ça, quand on aura fini de looter ça, on dira au revoir à YouTube. Allez. Eh merde, que je suis couillon, je le savais qu'il fallait que je vide avant de looter. Ouais, ils sont super nombreux en plus. Je suis accroupi bien sûr. Ah non, j'ai faim. Bon, je vous fais aux pompes parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Roger. Je sais que pourtant qu'il faut vider avant de looter, hein, mais des fois je suis un peu bête quoi. Mais bon, il y a des galets partout, c'est exactement ce que je cherche. Du coup, je suis un peu tout fou. Hey, meuf. Alors Nadine, on a un problème? Respect pour toutes les Nadines et tous les gens qui ont une maman qui s'appelle Nadine. C'est juste... C'est pour la blague quoi. N'y voyez rien de... On va la réparer cette pelle parce que là elle va servir. Hein. On va choper du galet parce qu'il faut qu'on double les murs du rez-de-chaussée de notre maison. Hop, voilà. Bon, faut essayer de pas passer à côté de loot autre que ça, quand même. Du galet. Voilà, du galet. Voilà. On surveille l'heure quand même, 16h28, histoire de pas rentrer dans la nuit et de pas péter de vélo comme je fais depuis 3 jours in-game. Toc 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 toc, ça c'est bon. Ici, hop. Ah, c'est cool! On tombe sur un truc qu'on cherchait à farmer alors qu'on est en loot. Super. Ta-di-ta-ta. Bon, oublions pas de. Ouais, voilà, de looter un petit peu quand même en passant. Ok, super. J'ai rien raté dans la pièce à côté, non. Hop. Ok. Ah bah tiens. C'est ce qu'on cherche, ça. Tout ça, c'est ce qu'on cherche, c'est parfait. Voilà. Bon, là, on a tué tout le monde normalement. Oh bah tiens, ok. Ouais, on a bien tué tout le monde. Alors, est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on rentre? 17h. On va peut-être aller faire un tour à un étage au-dessus pour voir. Voilà, la pelle qui permet de mettre des pelletés à 3 mètres d'eau. Ok. Là, est-ce qu'on rate du loot plus classique? Oui, un sac à dos. Vide, magnifique. Allez. Ah, j'ai faim. Faim, j'ai. Du coup, manger, je vais. Hop, voilà. Bon, là on en vient, hein, on est d'accord, ouais. Donc on va faire ça. Ok, ça c'est vide, ça c'est vide aussi. Ouais, donc il n'y avait pas grand chose à looter en fait en bas, c'était vraiment des matériaux, mais c'est cool, c'est ce qu'on cherchait. On va aller voir un petit peu ce que ça donne
À l'étage au-dessus, on se met accroupi histoire d'avoir le bonus de dégâts. Hop. Ok, un short. Ok, j'ai pris au moins le loot là. Non, j'ai même pas pris. Oh bah tiens. Alors, on va faire un one shot à Nadine, vous allez voir. Opération one shot à Nadine. Oh putain, non, elle s'est réveillée. Ah, dommage. Au moment où j'ai pris mon arc. Par contre, faut que je me redresse là. Voilà. Nadine, calme-toi. Tu le sais que tu vas mourir. Allez. Ah non, je t'ai pas eu la tête. Voilà. Dommage, j'ai raté le one shot à Nadine. Normalement, quand je suis accroupi, là, je double mes dégâts et Nadine, je peux les one-shotter avec. Les Nadine, je les one-shot avec une flèche dans la tête. J'ai déjà tout ça. Je recyclerai, c'est pas grave. Ok, 17h53, c'est pas très raisonnable. Attends, avant de looter, regarde un peu ce qui se passe. Ouais, voilà. Là, par exemple, vous voyez, hop, je suis accroupi. Je vais pouvoir tenter le one shot. Réussi, réussi. On reste accroupi, on regarde s'il n'y en a pas d'autres. Ok. Oh. Merde. Putain, je la rate. Putain, je la rate deux fois. Didier, reste tranquille. Attends, ils vont tous sortir là. Tais-toi. Next. Ah, niveau 18, c'est bien. Calme-toi. Super. Bon, allez, on loot cet étage et on y va parce que. Oh, génial. C'est 18h28 là. On va rentrer de nuit encore. Ah, on va encore rentrer de nuit. Je vais encore casser le vélo de Bob. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, il est déjà vide. Le micro-ondes. Le micro-ondes, merci. Ok, de l'eau, super. La poubelle. Du polymère. Ok, placard. Ok, placard. Ok, placard. Ok. Ok. Ensuite, toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ok, il n'y a rien derrière. Ok. Toi, on a vu. Toi. Ok, toi, il n'y a rien. Ici, il y a une porte. Ici, on a looté. Là, il n'y a rien à looter. Ok. Toi, on va te recycler parce que ça fait du cuir. Voilà. Tac. En plus, il pleut. Toi. Ah. Oh mon dieu, il faut que je m'attaque au fort à 19h. Je vais rentrer de nuit. Je vais rentrer de nuit. Je vais encore rentrer de nuit. Je vais encore abîmer mon vélo. Ah, mais bon, on va le faire. Hein. C'est pas possible de pas le faire. Hein. On est tous d'accord. Hein. Ça va faire venir les zombies de l'étage en plus, putain. J'ai pas de quoi réparer la hache en plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on tente, on tente. On y est fou, on tente. On va rentrer de nuit. Mais c'est pas grave. C'est long ça. Ouais, on va finir à quoi? Ça c'est 19h28, on va finir à 20h. Et on va faire le trajet de nuit. Donc avec le risque de se manger des rochers, des arbres en vélo, et mon vélo il est plus qu'à 35%, 37% d'intégrité. Et je n'ai plus de stamina. C'est bon? Allez go. Mais bon, un coffre comme ça, on peut pas laisser ça là quoi, c'est pas possible. Oh, il y a Bob qui est arrivé. Génial. Bob, mon bienfaiteur. Salut Bob.
Bob, mon bienfaiteur, qui m'a donné tant de choses. Ah, 1h05, il faudrait que je coupe pour YouTube. Bon, on finit le coffre et puis je coupe YouTube. Pomme, pomme, yo mec, alors, t'as aimé mon petit cadeau? Ton petit cadeau? Mais j'aime tous tes cadeaux, Bob. J'aime. Merde. J'aime tout. Tous, tout et tout, tes cadeaux. Mais duquel parles-tu? Ah, ce Bob, c'est mon bienfaiteur. C'est le bienfaiteur de. Le bienfaiteur de ma partie. Tain. Ah, c'est long, hein, je suis désolé. Hein. Je sais que c'est un peu pénible. Là. Du coffre au-dessus de ta porte d'entrée. Mais lol! Non, mais lol. En fait, je pensais qu'il me parlait d'un coffre que j'avais raté dans un loot. Je pensais que tu me parlais d'un coffre que j'avais raté dans un loot. Faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce qu'il m'a encore donné, Bob? Mais mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable cet Asgari, mais tellement de gens gentils, serviables, polis, c'est incroyable. Venez voir sur Discord, vous verrez, c'est la folie. Jamais un mot plus haut que l'autre. Ah là là là. Allez, 900. Faut juste que la hache tienne le coup parce que j'ai pas de quoi la réparer. On va rentrer, mais totalement de nuit. Hein. C'est 20h47, c'est n'importe quoi. Allez. 1. 1. Donc Bob m'a laissé un coffre au-dessus de ma porte avec des trucs. Tu peux venir voir notre base. Tu peux venir te chercher, c'est un peu ouf. Ah, mais génial, on peut se faire ça, ouais. Super. Ah, ça serait bon ça, aller voir la base de Bob. Ce qu'on fera, c'est qu'on coupera le live 30 secondes histoire que Twitch génère la vidéo là, que je mettrai sur YouTube après. Et puis après on ira voir la base de Bob là, carrément. Ça va être sympa à voir ça. Parce que vu les heures qui passent, à mon avis, ça doit pas rigoler la base. Allez, on y est presque. Après, faut rentrer. Hein. Bon. Allez, go! Allez! S'il n'y a rien dedans, je vais être vénère. Hein. Je vous le dis tout de suite. Cela, je prends le risque de rentrer de nuit avec mon vélo à moitié pété. Quoi? 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 Ah non! Oh mon Dieu, des flèches, 11 flèches quoi, tout ça pour 11 flèches. Putain, et encore, comme j'arrête pas de le dire, hein, j'ai un bonus de loot. Hein. J'ai plus 50 avec les étoiles, les lunettes d'aviateur et plus 100 sur une skill quoi. Sur un skill quoi. Mais il fait pas nuit ou quoi? Oh bah ben, il fait bonne nuit. Ok, allez, on rentre. 21h36, il fait pas nuit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça va tomber d'un coup, ça va faire bizarre. Alors attends, je vais quand même répondre à Bob. Je rentre poser mon loot et avec grand plaisir. Allez, on rentre. Ah si, ça y est, ça commence à tomber là, la nuit. Allez, 29% le vélo. Oh mon Dieu. Faut que je vois quand même, c'est pas normal que je puisse pas le réparer. C'est parce que je l'ai réparé une fois déjà. Alors je sais plus ce que j'avais utilisé, si c'était un kit de réparation, des mechanical parts ou du fer forgé, mais enfin, bon, en tout cas j'étais arrivé à le réparer. T'es à 22h. Ah non, 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 non. Attention les rochers. Mais là maintenant il veut plus. Il veut plus que je le répare. Allez, 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 allez. 22h05.
Allez. Bon. On va couper pour YouTube. Je rentre à la maison. On coupe pour YouTube et puis on reprend tout de suite sur Twitch. J'avais expliqué déjà en fait que je peux pas encoder des vidéos à uploader sur YouTube en même temps que je stream et que je joue parce que je fais tout ça avec un seul PC. Et puis donc il n'arrive pas à tout faire et que du coup pour les vidéos que je mets sur YouTube en fait je mets juste les vidéos générées par Twitch. Donc j'essaye de couper les lives au bout de 50 minutes, 1 heure pour que les vidéos soient pas trop longues. Et donc voilà, donc j'arrête le stream 10 secondes, le temps que Twitch reçoive le truc, ah il a arrêté son stream, génère la vidéo. Et je reprends le stream dans la foulée, le live dans la foulée. C'est ce que j'ai trouvé pour l'instant, avant de voir si je trouve une manière de bricoler un truc avec mon MacBook qui ferait le broadcast et le PC qui ferait le jeu, mais bon. J'en suis à mon 5e live, on va pas commencer à s'emballer. Sur des configs de psychopatou. Allez, le donjon du leader suprême, comme d'habitude. Hein. Un petit passage à côté de Battlestar Galactica. Je vais l'appeler comme ça, ce donjon-là. Je vais l'appeler Battlestar Galactica. Parce qu'il me fait penser à Battlestar Galactica, donc je vais l'appeler comme ça. Et puis c'est tout. Et puis je fais ce que je veux, c'est pour ça. Ah non, 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 le vélo. Le vélo de Bob, non. Allez, ok, c'est. Oh là, attention rocher. Ah, je l'ai pris quand même. Yes. Bon, c'est une nuit claire, on est bien. Ok, donc allez, on vide l'inventaire. Clac, on lui, non, hop, lui, on le reprend. Et voilà. On rentre à la. Oh, wow, mais d'accord, il y a des. J'ai carrément. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il manque une pique ici. C'est celle que j'ai cassée tout à l'heure. Bon, voilà. Alors, on va faire ça. On va monter. Hop là. Tac, tac et tac. On coupe le live 30 secondes pour que notre ami Twitch génère la vidéo pour YouTube et on revient. Donc ciao YouTube.